Et puis nous avons un spécialiste en addictologie avec nous qui lui aussi va vous délivrer ses conseils. Il s'agit de Laurent Carilla. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors on l'a dit en début d'émission, 1,5 million de Français sont dépendants à l'alcool. Comment expliquez-vous ce chiffre énorme ? L'alcool, c'est quelque chose de culturel en France déjà. Donc c'est extrêmement toléré, il y en a partout, c'est extrêmement disponible. C'est un produit fréquent, c'est quand même... une cause de mortalité aussi non évitable, hein, quand même, l'alcool. Il y a beaucoup de buveurs excessifs. Et les femmes sont aussi touchées, moins que les hommes, mais elles sont très touchées, quel que soit l'âge, en fait. Justement, la consommation des femmes de moins de 25 ans a augmenté de 20% ces dernières années. C'est vraiment c'est un énorme. Phénomène de société, ces jeunes qui boivent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est pour les femmes plus âgées ? On est dans des schémas assez identiques, on va dire, dans les consommations excessives. Il y a plus d'hommes que de femmes qui boivent de manière excessive, mais il y a quelque chose où on voit les deux catégories sociales se rapprochent, en fait.